Salut à tous, si vous ne me connaissez pas déjà, moi c'est Lorenza Blake. Il y a 7 ans, je suis arrivée à Los Santos pour repartir de zéro avec ma sœur Lara. Mon rêve à moi, c'était d'être une star, mais comme faut bien commencer quelque part, j'ai été embauchée dans le vignoble de Donatien de Montafiac. Montazac. Là-bas, c'était super chouette. J'ai rencontré Patron Fab, j'ai même écrit une chanson sur Donatien. C'est devenu un tube interplanétaire. Tout le monde était à mes pieds, y compris un certain Tim que j'ai appris à apprécier. Mais j'ai laissé tout ça derrière moi pour faire carrière et 7 ans après, me voilà. Excusez-moi, monsieur. Oui, madame. Dites voir, moi, on m'avait dit que je pouvais venir à 20h. J'avais un petit truc à faire parce que, vous savez, ça fait longtemps que je suis pas venue ici. Je suis un peu émue. Vous pensez que je peux revenir ici vers 20h et que ça conviendra? Bah oui, pas de souci. Oui, c'est vrai. Ouais, pas de problème. Bon ben, très bien alors, merci beaucoup. Vous voulez aller en ville, c'est ça? Ouais, exactement, j'ai juste un petit truc à faire avant 20h. On va quand même descendre, il y a des personnes qui sont bas, à la rigueur, elles seront plus à même de vous aiguiller. D'accord. C'est des personnes que vous connaissez, des invités, les organisateurs du mariage. Ok, bien sûr. Bah, je vous invite à me suivre, le vol s'est bien passé? Ah ben, vous savez, j'étais pas du tout surclassée dans ma catégorie, les sièges étaient très étroits, et en plus de ça, il y avait une dame qui sentait pas bon à côté de moi, enfin bref... Alors, ce que je peux faire, c'est que je vous invite à vous rapprocher des personnes près de la limousine, et puis vous pouvez voir avec elle directement. Ah, ça marche, merci beaucoup, mais vous vous appelez comment en fait? Moi, je m'appelle Stan. Ah, ça marche, Stan, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Ah, mais c'est Kitty. Mais reste la star. Ah bonjour. Mais ça va? Bah ouais, ça va, merci. Et vous, comment ça va? Bah ça va, trop contente de te voir ici. Ah bah ouais, carrément, franchement, je suis trop contente de vous voir là. L'avion était une horreur, hein. C'est super désagréable, les sièges, tout ça, ça pique en plus, n'importe quoi. Ah ouais, tu venais d'où là? D'une tournée, hein, bien sûr. Bah ouais, bah normal, mais moi aussi, tu sais. Ah bon, comment ça, toi aussi? Bah tu sais pas, je suis devenu DJ. Ah bon? Bah ouais, et j'ai découvert qu'il y avait d'autres villes que Los Santos, je savais pas moi. Comment ça, tu savais pas qu'il y avait d'autres villes? C'est pas très perspicace bah, hein, quand même. Hein. Moi je suis né ici, je suis jamais parti, Mais t'es allaient... pas allé à l'école? Je t'en pose des questions, c'est pas très gentil. Bah oui, tu m'en poses des questions depuis tout à l'heure. Hein. Oui, c'est vrai, en plus c'est vrai. Ouais. Bah non, du coup non, je suis pas allé à l'école. Ah mais c'est pas grave, mais du coup t'as un super DJ quand même. Ah bah merci, c'est gentil quand même. Enfin, j'imagine. Comment s'est passée ta carrière de... Est-ce que t'es devenue une superstar? Ben, c'est vrai que j'ai enchaîné quelques tournées et puis ben, j'ai sorti qu'un seul tube. Ouais, moi j'ai entendu qu'un single de toi, donc je pensais que t'étais genre morte ou quelque chose comme ça, mais non. Morte? Ouais, je sais pas, mais ça me fait plaisir de te voir en tout cas. Hein. Non, mais j'ai fait quelques dates à Vegas, d'accord. J'ai fait une télé-réalité, j'ai fait Les Anges à Buenos Aires. Ah ouais? Ah mais oui, ça s'est bien passé, t'as gagné? Non, j'ai pas gagné. Mais bon, bah voilà, j'essaye de redorer un peu mon image parce que c'est vrai que 7 ans comme ça, passé ici, avoir sorti qu'un seul tube, je me sens un peu comme la Afida Turner de Los Santos, quoi. Mais tu devrais prendre Kid avec toi, il est DJ, t'as pas besoin d'un DJ. Ah, ben, c'est vrai qu'on pourrait faire une collab, hein, c'est intéressant. Bon, apparemment, j'ai pas une collab. Ouais, un feat, quoi. Écoute, ouais. Ouais. C'est moi qui ai eu l'idée. Hein. Si oui. Ça se fait, vous me dites, on se fait un petit contrat, voilà, je prends 5%. Est-ce que ça vous va si on se reparle au mariage, si on reparle de ce contrat et de ce pourcentage? Mais parce qu'en sûr. Fait, j'ai un rendez-vous avec moi-même super important. Un rendez-vous? Ah bah oui, bah, bien sûr, bah oui, bah, je comprends, moi aussi j'en ai des fois, donc oui, bah oui. Des rendez-vous avec vous-même? Oui. Ouais. D'accord, bah oui. Bon bah je file, hein, mais oui, les stars sont toujours en retard. Business, hein. Ouais. Je vais faire toi une superstar, hein, tu vas voir. Ça va décoller. Ah bah j'imagine, monsieur Gontran. Ah bah super alors, ah bah j'ai trop hâte. Hein. Ah, je reviens, à tout à l'heure, attends la verre. On se tient au jus. J'espère que personne va me juger avec cette voiture-là. C'est parti. De toute façon, je m'en fous, la voiture elle est immatriculée au nom de Lara. Je m'en fous. Ça fait 7 ans que je suis pas venue ici. 7 ans que j'essaye de faire croire à tout le monde que je suis devenue une star interplanétaire. Alors que la vérité c'est que j'ai fait un seul tube et tout le monde me connaît pour ça et juste pour ça. 7 ans que je mens à tout le monde. Et tout le monde croit que je suis heureuse et que tout va bien. Alors que la vérité c'est que je suis seule. J'ai pourtant essayé, j'ai fait des téléréalités, on m'a dit « Lorenza, fais une téléréalité, Lorenza, fais de la chirurgie, Lorenza, tu devrais faire un autre tube !»
J'en ai marre. Ce mariage, je le vois comme une bénédiction. J'espère vraiment renouer un lien avec la vie ici qui m'a tant plu il y a 7 ans. Faut que je me dépêche, le retourne. Bon, l'avantage, c'est que j'ai pas perdu ma petite foule et avec mes hauts talons, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je peux vous servir? Bienvenue. La tequila, s'il vous plaît, monsieur. J'ai juste besoin de votre nom pour vous faire la facture après. Vous me connaissez pas? Ça me dirait un nom. D'accord, c'est pas grave. Allez, va me falloir un peu de courage. Hello? Tim? Hello? Lorenza? Oui, c'est moi, Tim. Oh, ça va? Je suis à Los Santos, Tim. Tu veux me rejoindre? Oui, mais ça fait longtemps que je t'ai pas entendu. Oui, je sais, c'est bon, on en parlera plus tard, d'accord? Bon, je suis au Black Cat, là, le bar près de la mer. Oh, ok, j'arrive tout de suite. À tout de suite. Ok. The Black Cat. J'ai oublié, tenez, avec le Verve. Ah, ouais, ça c'est mon pote, mon collègue qui a le bras long, oui, voilà. Il va vous offrir le paquet de chips que je voulais vous offrir, voilà, mais voyez-vous, voilà. Vous vouliez m'offrir des... Un paquet de chips. Ah ben merci. Un petit paquet de chips. C'est l'apéritif avec le verre de tequila. Bon, oui. J'avoue, je me le suis enfilé, hein, le verre de tequila, il me fallait un peu de courage. Ben oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nouveau c'est devenu? Mais non, mais je suis là pour le mariage. Ben oui, mais vous allez... C'est pas à l'aéroport que vous devez aller? Il y a plein de verres de tequila. Oui, je suis censée aller à l'aéroport, c'est vrai, mais il fallait que je donne rendez-vous à quelqu'un d'important ici et... Après, j'irai. Ok, vous avez quelqu'un pour vous y conduire? Ben, j'ai ramené ma Punto. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est un peu la loose. Avant, j'avais une belle voiture, mais bon. Si vous avez besoin qu'on vous conduise dans une autre voiture, on a d'autres voitures ici que la Punto, si vous voulez. Ah ben, c'est super gentil, merci beaucoup. Voilà. Bonjour. Je vous présente Madame Blake, qui est là pour le mariage et qui a un peu peur d'y aller, je pense. Ouais, j'ai un peu peur surtout d'être confrontée à toute cette ville 7 ans après, quoi. Elle a sans doute changé, oui, mais c'est pas pour ça qu'on est méchants. Nous, on est sympa et tout, ici au Black Cat, vous inquiétez pas. Ah ouais, c'est vrai, vous êtes sympa. Mais non, c'est nouveau, hein, moi, il n'y avait pas ça ici de mon temps. Hein. Enfin, je dis ça comme si j'étais vieille alors que je suis jeune et pimpante. Peut-être avec 7 ans de plus que quand vous êtes venu la dernière fois. Mais on va omettre ces détails, vous avez raison. J'ai pas pris une ride. Non, c'est vrai. Regardez Charles, lui, il planque un an à la fois, mais par contre, il chope des rides toutes les semaines. Ah, mais vous savez, moi, j'ai une crème hydratante à base de bave d'escargot. Ah, ben Charles, c'est pour toi ça. Et ben, ouais, mais Charles, alors, mais vous attendez quoi pour la crème d'escargot? Mais non. Pourquoi, non? Mais si, tu vas avoir 20 ans de nouveau. Non, mais Charles, vous pouvez pas laisser la vieillesse vous dominer, vous devez dominer la vieillesse. Oh, ça c'est tellement bien dit. Merci, hein. Tout le monde me dit que je dis les choses bien, en fait. J'attends quelqu'un, j'ai l'impression que je suis en train de me faire... on m'a posé un lapin, je pense. Et c'est où se trouve le Black Cat? Parce que si c'est une personne qui, comme vous, n'est pas venue depuis 7 ans, c'est peut-être pas où ça se trouve. Ah mais c'est bon, il se démerde, hein, il sait conduire jusqu'à un point quand même. Ah bah tiens, il m'appelle. Bon, allô? J'ai un petit souci, j'étais sur la route et j'ai fait un petit accident. Oh, mais rien de grave? Non, non, ça va, j'allais pas très vite mais j'ai plus la voiture, du coup je viens à pied. Ben, tu sais quoi, envoie-moi ta position, je prends la Punto et j'arrive avec style, hein, toujours. Bon, je t'envoie la position, à tout de suite. Merci. Ça, c'est pas très ratus. J'ai oublié de boire. Meanwhile... Putain, le meilleur... Pourquoi elle m'a dit de me partir? J'ai le numéro de personne. Oh non. C'est une urgence, j'ai besoin de la voiture, s'il vous plaît. Oh. No? D'accord. Oh non, il est mort. On est loin, ouais, ok. Oh non, Tim. Bon, fuck Lorenza. Désolé, mais j'ai le mariage qui l'attend. Doucement, madame. J'ai rien venu, mais je veux pas déranger. Allez. Oh, mais je suis désolée, voilà. Mais vous en faites pas, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Oh, vous êtes mon sauveur. Eh ben écoutez, Madame Blake, vous êtes tout bon. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Anthony. Ah, salut Anthony. Vous vous souvenez de moi, Anthony, ou pas? Vous voyez ma tête? Vous me connaissez? Non, je crois pas qu'on soit déjà vu. Ok, c'est pas grave. Ah bah, bon amusement, Charles, à tout de suite. Ah ouais. Merci, vous êtes des amours, hein, c'est trop sympa plaisir. D'avoir fait ça pour Lorenza. On est là pour ça. Ah bah, vous êtes là pour ça, c'est vrai? En service aux gens. Ah ouais, regardez, c'est ma Punto. Au revoir, la Punto. Bon, du coup, vous voulez pas essayer la crème à la bave d'escargot par hasard? Je me vois pas avec des escargots sur la tranche. Oh,
Oh mais vous avez rien compris hein. Non mais vous êtes sérieux? Vous pensiez vraiment que j'allais vous demander de mettre des escargots sur votre tête? Mais non, c'est une crème à base de bave d'escargots. En fait, il y a des élevages et les escargots, ils sont tous ensemble. Puis genre les escargots, ils sont copains et tout, voilà. Et après, bah, ils font de la bave et genre la bave, elle est récupérée, elle est mise dans la crème. Faut tout vous dire, hein, vous, hein, les hommes. Ah mais vous êtes là, Lorenza? Ah bah oui, bonjour. Je suis trop ravie d'être là. Comment ça va, monsieur Donatien? Ah bah ça va très bien, et vous-même? Bah ouais, ça va. Bah, j'ai eu des petits soucis pour venir, mais je suis là. Félicitations, Miguel, hein, pour ces 7 ans d'amour. C'est magnifique, ce que vous partagez. Vous êtes forte, non, dans l'écriture des textes? Pourquoi? J'ai pas écrit mes vœux. Et je peux t'aider, Miguel, je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, bah oui, faut que j'envoie des SMS, c'est quoi? 39-44, comme si la Seconde Guerre mondiale avait duré un an de moins. 39-44? Oui. Mon Bouyak. Montazak. Moyobak. C'est Montafiak. Exactement, c'est ça. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai eu de vos nouvelles, du coup, Lorenza, c'était quand j'ai entendu parler de l'échec de votre télé-réalité. C'est vraiment le dernier souvenir que vous avez de moi, là? En vrai, depuis que vous avez arrêté de travailler, moi, je n'ai pas arrêté de mon côté. Je pense que vous avez lu les journaux, vous m'avez vu un peu partout, voilà. Mais là, je n'ai pas trop entendu parler de vous. Je sais pas comment ça s'est passé depuis la chanson, depuis la télé-réalité, je ne sais pas trop. Eh ben très bien, figurez-vous. Tout se passe très bien, je me porte comme un charme et tout le monde adore Lorenza. Ici, tout le monde m'a reconnue d'ailleurs. Ça va, Lorenza? Ça va et vous, monsieur Donatien? Ça a l'air d'aller. Je sens que ça va pas trop... Mais je vais super bien. Je vois pas ce qui vous fait dire le contraire. Lorenza, vous savez ce qui vous remonterait le moral un petit peu? Un shot de tequila? Non, une bouteille de vin. Et vous en avez sur vous? Oui, et vous avez de l'argent sur vous? Ah mais j'ai pas grand-chose sur moi, j'ai 500 dollars. Ah, bon alors, Lorenza, vous avez travaillé pour moi, vous avez fait une chanson sur moi, qui m'a bien aidé hein, d'ailleurs, hein, vraiment, c'était très très bien. On va faire une réduction, pour vous ça sera 150 seulement. Ah ouais, 150 seulement. Remonte le moral, hein, vraiment. Merci Miguel. Juste un petit échange à l'ancienne. Oui, bon d'accord. Oui. Vous êtes bien Madame Blake? Oui, c'est moi. Nickel, oh, c'est moi, ça a été retrouvé. Ah oui, je suis là, bien sûr. Vous voyez, tout le monde m'acclame, tout le monde voilà. M'attendait, tout le monde savait qui j'étais. Et bah voilà, il faut fêter ça maintenant, hein. C'est combien déjà? C'est 200. Ah, merci beaucoup. Ah bah merci. Une fois arrivé sur l'île, je vous donne la bouteille, Lorenza. Non mais vous me la donnez maintenant? D'accord, allez. Ah, c'est vraiment, vous êtes dur en affaires, hein. Allez, hop là. Des cadeaux. Vous pouvez monter dans l'avion, s'il vous plaît? Merci. Oui, bien sûr. Il est où, Tim? Parce que dans cette histoire, j'ai même pas pu lui dire bonjour alors que ça fait 7 ans que je l'ai pas vu. Hein. Je crois qu'il est rentré dans l'avion, justement. Lorenza! Oui? Comment ça va? Ah bah ça va, merci. Ça, patron Fab, vous avez des lunettes? Je suis presse-bite depuis quelques temps, Lorenza. Ah bah attendez, parce que moi, on m'avait dit qu'il faut monter, monsieur Fab. Mais attendez, Lorenza, elle a rajeuni. Ça se passe comment? C'est pas ce bordel. Moi, ça me fait plaisir de vous voir. Ah bah moi aussi, je suis trop contente. Oh bah là, oh bah si j'avais su que j'allais tous vous retrouver. Oh bah dis donc hein. Sacré coup de vieux patron de Fab. Et un jour vous serez une vieille croûte, Lorenza. Oh non, pas une vieille croûte. Non mais pas de... Alors oui, non je parle pas du tout de toi, calme-toi. Ah, Daniel. C'est Daniel non, la vieille croûte. Je rigole, monsieur patron Fab, détendez-vous quand même. M'appelez plus patron, je pense ça fait 7 ans qu'on bosse plus ensemble, Lorenza. Vous serez toujours mon patron Fab, monsieur patron Fab. Bon bah... Pas pour patron femme. Tim ouais, bizarre. Bizarre. Oh, Lorenza, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais alors, toi, t'es arrivé ici, t'as eu un accident tout de suite, ça va pas la tête? Oui, mais toi, après, j'étais appelé et tu n'étais plus là pour moi? Parce que j'ai complètement oublié de boire de l'eau. Bonjour. Hey, bonjour. C'est quoi votre prénom? C'est Chris. Salut, Chris. Enchanté, Chris. Et vous? Mais c'est moi, Lorenza Blake, quoi? Je suis chanteuse, c'est moi qui ai écrit Donna Donna. Faudrait me faire écouter, et je connais pas Donna Donna. Bah, je vous ferai écouter, hein. Ah, vous connaissez pas Donna Donna? Non mais j'en reviens pas. Ah, mais Roy, incroyable! Attends, je réponds. Mais vous avez pas changé pour un sou, c'est exceptionnel. C'est à toi. Ah bah c'est le Botox hein. Ah ouais, le Botox ça a bien fonctionné, 7 ans. Et vous êtes devenue plus grande que moi. Ah c'est les talons ça. Ah non mais ça l'a toujours été hein, j'ai toujours été plus grande que vous, monsieur vrai. Roy. Ah j'ai quand même l'impression que vous êtes devenue très grande, Lorenza. Vous en êtes bien sortie dans la musique par la suite? Vous avez vu, il fait beau ici, là, il y a un planning incroyable. Moi, vous savez, je voulais faire une carrière dans la musique, et puis après, le tube, ça a été le domaine de Donna. Et puis ensuite, bah, je suis devenu troubadour. Je me baladais de ville en ville pour faire les sons pour les différentes fermes, les vignerons, les écologistes, abattoirs, les abattoirs, les écoles pour enfants...
pour enfants cartésiens, enfants non cartésiens. Enfin, en fait, je faisais les des enfants cartésiens de... et les abattoirs. Ouais. C'est ça, ouais. Bon, c'était séparé, hein. C'était deux trucs différents. Vous étiez un vrai saltimbanque, quoi. Vous vous rappelez de ce que je vous avais dit? Moi, je vous avais dit qu'il fallait croire en vous et que vous pouviez croire en vous. Et du coup, mes conseils, ils vous ont aidé. Mais ce palmier là-bas, décidément. Bien sûr, moi tout va bien, j'ai une carrière musicale incroyable, pleine de projets, au beau fixe, et tout se passe bien dans ma vie, voilà. Super, super. Oui. Parce que vous pouvez peut-être faire, vous aviez Donna, Donna, non c'est pas prévu. Oui, enfin c'est bon, tout le monde me demande Donna, Donna, Lorenza, Donna. Ah, vous êtes arrivé à ce moment-là où il n'y a eu qu'un seul tube qui a marché, et du coup, vous êtes dans le déni. Non, je suis pas dans le déni. Lorenza. Quoi? J'ai peut-être un truc qui pourra te réconforter. Attends, hop. Bah, à part une nouvelle vie, je sais pas ce qui pourrait me réconforter. Hein. Un joint? Si à un moment, t'as envie de te lâcher la petite chansonnette, tu peux peut-être, tu vois. Parfois, c'est quand on pète un jour ou deux que le monde devient magnifique, quoi. Ouais, vous pensez? Non, 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 je pense pas du tout. Non, vous pensez pas. Mais ça m'a permis, parfois, quand j'étais seul sur la route, de passer le temps, quoi. D'accord. De joindre les deux bouts. De joindre les deux bouts. Non mais c'est vrai que bon bah c'est ça hein, la dure vie hein, de faire un tube, être connu et puis après ouais, bah c'est terminé quoi. Ouais, il y a un jour des gens viennent vous voir, ils vous écoutent et puis le lendemain ils s'en foutent, quoi. Ils sont plus là quoi, ouais, ils écoutent d'autres gens, d'autres gens. D'autres gens plus stylés ouais. Ouais, bah après vous savez, c'est pas une question de style, c'est une question de chance aussi, de réussite. Moi, une question de beauté peut-être que... Peut-être que je suis plus. Non, 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 vous êtes magnifique, Lorenza. C'est vrai, Roy. Bien sûr, moi je. Vous êtes magnifique, quoi. Ah bah merci, c'est gentil, Roy. Mais je pensais vraiment que mes conseils de fin d'événement, on va dire, vous donneraient un petit peu les ailes. Je suis un peu. Je suis un peu déçu, je me dis. Voyez, vous, ah bah en parlant d'elle, vous savez, moi j'ai quand même fait. Les anges à Buenos Aires. Ah oui, d'accord. Les anges à Buenos Aires, c'est pas une émission, je crois que ma compagne regarde. Ils s'engueulent tout le temps, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'était un peu humiliant, mais... Ouais, et bien, ça vous a permis de mettre un petit peu d'argent de côté. Vous aviez genre un secret. Je suis Lorenza, j'ai fait un tube. Le palmier, dis donc. Ah, il est beau, le palmier. Je trouve très sympathique. Ah ouais. C'est l'endroit de rêve pour se marier ici. Ça va, Tim? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais toute seule sur la plage? Je réfléchis. Tu faisais quoi pendant ces temps alors? C'est un peu dur à dire, mais. Tu sais, tu faisais les tournées dans les concerts, tout ça? Mm-hmm. Je suis venu en voir quelques-uns, mais j'ai pas eu le courage de venir te parler. Mais non, mais t'es venu, Tim, à mes concerts? J'en ai fait quelques-uns, oui. Pourquoi tu me l'as pas dit? J'avais peur un peu de ta réaction. Non, mais j'aurais été super contente de te voir. T'imagines pas à quel point je me suis sentie seule pendant cette tournée. Ah bon? Tu étais pas avec tes amis, ta sœur et tout? Mais Lara, elle était là au début, et puis après, quand on m'a proposé de séjourner à Las Vegas, ben, forcément, elle a fait sa vie, et c'est normal. Maintenant, elle travaille dans un garage, elle s'est trouvé une espèce de lubie, de passion pour les voitures, voilà. Moi, ben, j'ai essayé de tout faire pour essayer de sortir du « Oh, c'est Lorenza, elle a fait Donna, Donna », et c'est tout. Et du coup, j'ai voulu... Je sais pas, j'ai essayé de faire des trucs, des téléréalités, des... La chirurgie, pour essayer... Pourquoi tu veux faire la chirurgie? Ah bah attends, après 7 ans, comment veux-tu que je sois encore aussi fraîche, hein, à ton avis? Je te trouve toujours plutôt jolie. Ah merci Tim, c'est trop gentil. Je suis un peu gênée de dire cela, mais... Ouais, toi aussi, tu es encore très jolie, Tim. Roy, il me l'a dit tout à l'heure, hein, être connu que pour un seul tube, c'est pas terrible. Lorenza? Monsieur Donatien. Tout à l'heure, Gontran, il a vu Rose et il a dit « Ah, c'est Lorenza ». Il confond les femmes, Gontran ? Il confond les femmes, Gontran. Je tenais à vous le dire, hein, vraiment. Au cas il a vu Rose et il a dit que c'était Lorenza, mais attendez, il y a un problème de couleur de cheveux quand même. Vous n'êtes pas qu'une couleur de cheveux, Lorenza, vous êtes toute une personne. C'est vrai, monsieur Donatien. C'est vrai. Hein. Vous le pensez vrai, hein. Vous avez goûté le vin que je vous ai donné tout à l'heure ? Donné ? Ouais, ouais, on a fait un échange, voilà. Vous l'avez goûté ? Non. Vous devriez... Ah bon, pensez ? Moi, par contre, je vais m'enrouler un petit, je pense, là. Rouler de bouteille ? Non, un joint, mon cher Jim. Tim, pardon. Vous confondez les hommes ? Je confonds les hommes. Mais vous fumez, maintenant ? Non, 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 tout va bien, vous inquiétez pas. Voilà, c'est bon. Ah bah, je vous accompagne. Ah, vous allez vous en fumer un petit aussi ? Eh ben... Bah écoutez, ça fait pas de mal. Bah écoutez, ça fait pas de mal. Vous tenez quoi depuis 7 ans, monsieur Donatien ?
Bah, vous avez lu les journaux, Lorenza ? Pas vraiment. Bah écoutez, je suis devenu milliardaire en achetant les droits de Christophe Michel, Je veux chanter. On est toujours dans les vignobles, bien sûr. La crypto, bien sûr, le Montazac Coin, le MTZ, hein, bien sûr. C'est vous sur les NFT ? Oui, bah il y a quelques images de moi, effectivement, qui sont sorties en NFT, effectivement, tout à fait. Je vais regarder ça, peut-être. Vous devriez acheter quelques MTZ et puis ensuite, oh là là, le monde vous appartient, dans le creux de votre main. Bah vive l'argent, hein, fidèle à vous-même, monsieur Donatien. Alors effectivement, j'aime bien un petit peu investir un peu, mais ce n'est pas le but principal de ma vie. Je suis surtout un kiffeur avant tout. Genre vous êtes comme moi, vous êtes One Life. Qu'est-ce que One Life ? Toi, t'es One Life, non ? Moi, je suis grave One Life, moi. Oui, Daniel est très One Life, ça, pour le coup, c'est très très... Tu as trouvé Antoine ? Oui, il est parti faire Vivi. Moi, j'ai fumé un gros joint en vous attendant. Hein. Moi aussi, j'ai fumé un énorme joint en vous attendant. Pas du tout, mais quand même. Un peu trop One Life, peut-être, hein, d'ailleurs. Mais j'ai reçu un spam. Vous voulez que un truc de Miguel, là ? Non, tu es célibataire ? Des centaines de filles et d'hommes n'attendent plus que toi. Envoie pécho au 555 REGLS. Au combien, tu dis ? 555 REGLS. Ah oui, jamais je ne tomberai dans ce genre de choses. Ah oui, non. Jamais. Hein. Vous êtes en train d'envoyer un message, tous, c'est ça ? Et depuis quand tu fumes ? Oh, tu sais, il m'en est arrivé hein, des choses, donc je fais ce que je peux. Et du coup, tu as reçu la bouteille de Donation ? Ouais. Toi aussi ? Oui. Il te l'a fait payer combien ? $200, je crois ? Ouais, pareil, 200. Ah ouais. En fait, je lui ai menti, je lui ai dit que j'avais que $500 sur moi, alors qu'en fait, j'en ai 16 000. Ah oui, mais j'ai venu avec un peu moins d'argent, je crois. C'est les royalties sur Donadona. Ah oui, j'ai vu, ça a fait beaucoup de vues sur YouTube. Ouais, ça a fait pas mal de vues, mais justement, c'est ça le problème, c'est que j'ai fait des vues que sur ça. Ah oui, sur les autres plateformes, ça ne marchait pas. Mais pourtant, il y avait du monde pour les concerts. Ouais, c'est vrai, il y avait du monde pour les concerts, mais la première année seulement. Et puis après, tout le monde l'oublie, quoi. Là, je suis arrivée ici. Bon, j'ai vu des gens super cool au bar et tout, en t'attendant avant que tu fasses un accident. Ben, ils étaient tous trop sympas avec moi et personne m'a reconnu. Ok, pourtant, tu es quand même bien connu, je trouve. Bah, je pense que c'est que toi. Hein. Oula, pourquoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, le spectacle de Bolas qui a mal tourné. Non. Où êtes-vous ? C'était gigantesque. Ah, il manque plus que les djembés. On bah, go. Ah ouais, les Bolas, le djembé, le joint. Ouais. Ah, oui. Mais oui, on est bien, hein. Ouais, le Sarouel. Le Sarouel, la plage. Mon capitaine. Et puis les pancartes CPE et c'est parti. Ah bah là, on est au complet. Hein. Tu es encore malade, Gontran ? Non, je suis plus malade, okay. C'est bon. Pourquoi t'étais malade, Gontran ? Ouais, je crois qu'il y a Daniel qui va refiler son herpès. Vous étiez où, mon capitaine ? De l'herpès. Voilà, ouais, et puis Fab aussi a eu l'herpès. Mais vous avez embrassé Daniel Croûte ? Non. Mais l'herpès, ça se refile pas en... Non, c'est... juste en étant à côté de lui. Hein. Je suis quasiment sûr qu'on chope l'herpès en s'embrassant. Non, c'est pas comme ça. Vous avez embrassé Daniel Croûte ? Non, j'ai pas embrassé Daniel Croûte. C'est un enfant. C'est très affectueux ici. Il a embrassé Daniel Croûte. Non, mais le pire, c'est que Fab, j'ai pas embrassé Fab et Fab a eu l'herpès, vous voyez. Vous avez embrassé Fab aussi ? Non, je n'ai pas embrassé Fab. Bah, attendez, mais vous étiez où avant le mariage hein ? Moi aussi, je veux en être. J'étais dans l'hangar. Vous étiez là, dans le hangar. Tout le monde était là dans le hangar. Vous avez embrassé Fab et Daniel ? J'ai pas embrassé Fab ni Daniel Croûte. Par contre, quelqu'un m'a filé un joint, là. Je sais pas qui c'est. Tout à l'heure, Donatien, il m'a dit que vous m'avez confondu avec Madame Rose. Oui, pardon. Ah non, c'est ma femme. Mais j'ai pas vu Madame Rose. Vous confondez les femmes ? J'ai peut-être qu'on... Mais vous étiez de loin et de dos, donc bon. De loin et de dos. Donc on est interchangeable pour vous, c'est ça ? Non, mais c'est de loin et de dos. Bon, tout le monde fait des erreurs. Vous la première. J'ai fait quelle erreur ? Vous regardez tout à l'heure, vous m'avez dit que j'avais embrassé des gens par erreur. Comment vous avez embrassé des gens par erreur ? Mais tu sais ce qu'il a fait ? Tu sais ce qu'il a fait ? Il a embrassé Daniel Croûte et il a embrassé Fab. Non. Tout là, je l'ai vu tout à l'heure, il s'est gratté les fesses. Demandez à Fab, je n'ai pas embrassé Fab. Allez demander à Fab. Tu as embrassé Fab sur les fesses ? Je n'ai pas embrassé Fab. Il s'est gratté les fesses, il m'a dit j'ai des hémoglobines. Quoi ? Je n'ai pas embrassé Fab. Il m'a dit j'ai des hémoglobines, je le jure. Mais c'est Fab, vous rappelez de Fab ? C'est Fab. Je n'ai pas embrassé Fab. Bah tu l'as pas embrassé, tu lui as fait un anulingu. Non. Un anulingu ? Regardez, vous trompez encore. Hein. C'est les des choses bizarres qui mais se sont passées. Du coup, Rose ici. Est là ? Ah bah ça change de sujet ! Ça change de sujet ! Dès qu'on parle de l'anulingu, vous changez de sujet. J'ai une technique contre. À chaque fois que tu fais comme ça, tu pointes du doigt, tu fais « Vous avez vu ce palmier ?» et tu parles du palmier. C'est une technique. Et depuis quand vous faites des anulingu, monsieur ? Depuis combien de temps ? À Fab en plus. À Fab, qui plus je ne répondrai de rien. C'est que de la diffamation. Vous êtes dans le déni, Gontran. C'est que de la diffamation, vous commencez à diffamer. Attention par contre une chose, Gontran, c'est peut-être pas faire des anulingu après sous la bouche. Hein, parce que ça peut propager des choses. Hein.
Mais justement, c'est ce qui s'est passé. Je n'embrasse personne. Et vous êtes en train de vous enfoncer dans vos explications comme vos chaussures s'enfoncent dans le sable. Mais je ne m'enfonce pas, je n'ai rien à expliquer vu que je n'ai rien fait. C'est vous qui faites commencer à fabuler là. Ah, vous voyez, il vous obsède. Lorenza, toujours dans la lumière. Vous êtes très forte pour trouver la lumière. Elle dit que vous avez plein d'espèces. C'est vrai, Lorenza. J'ai plein de Lorenza. Moi aussi, je suis contente. Non, j'ai dit que vous avez plein d'espèces. J'ai plein d'excellentes bouteilles de vin par contre. Vous avez plein d'espèces, j'ai dit, monsieur, pas d'espèces. Ah, pardon, 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 Daniel. Faut qu'on aille sur les sièges. Oui, d'accord. C'est insupportable. Oui, c'est qui cette pouffe hein? C'est qui cette pouffe à côté de Tim? Ah mais Fab est témoin. Oh non. Il nous en cache des choses entre Gontran et... Et ça? Ah le discours. Attends. J'ai l'air un peu tendu là. Moi aussi. Vous entendez le discours? On entend rien. On entend pas. Ah ouais, on n'entend pas le discours. On n'entend pas le discours. Oh bah, oui, vous entendez, c'est bon. Oui. Non. Oui, Cuck, je vous entends. Un peu plus fort. Oui, Cuck, on vous entend, ouais. Oui, c'est bon, cher ami. Devant, oui. Mais au fond, je sais pas. Bon, bah tant pis pour ceux du fond, vous avez qu'à vous rapprocher. Hein. Bah, ça va vite, hein, non. On fait pack 15 minutes, pas plus. Oui. Voilà, d'accord. Écoutez, moi, je suis un peu dérangé. J'avais écrit un long discours, mais je trouve plus le papier là. Je sais pas trop comment faire. Kim Dwight. Ouais. Oui, bravo. Bravo. Est-ce que des gens s'opposent au mariage, qu'ils le disent tout de suite ou se taisent à jamais? Non, 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 non. C'est vrai que c'est tentant de faire la blague. Hein. Attends, si quelqu'un s'y oppose, c'est le cartel qui abattra directement la personne. Ah non, non, mais non, mais non, on touche pas, non, quand même pas. Non. Ah oui, ça donne moins envie de s'opposer tout de suite. Voilà. Est-ce que les témoins ont les alliances là? Alors, vous pouvez donner les alliances. Bien sûr. Oui, il faut donner la mienne. Fab, tu te grattes le cul, fais attention. Oui, tu grattes un petit peu les fesses, Fab, mais ça fait plaisir de te voir. Oui, déjà que t'as refilé de l'herpès à Gontran. Oui. C'est de ne pas mettre de l'herpès sur la bague, quoi. En même temps, vous avez pris quelqu'un qui a raté son mariage pour officier le vôtre, hein. Ah ouais, la vache, et... Mais ils sont plus ensemble, là. Mais non. Un problème de muscle. Et nous accueillons la jeune mariée. C'est compliqué. Voilà. Bravo. Magnifique, elle est si belle, elle est si belle. Elle est belle. Ouais. Bravo. Elle est très belle. Ouais. Bravo. Oh non, je vais voir la grosse tête de Gontran tout le long. Nous sommes aussi réunis aujourd'hui pour le mariage de Charles Collins et de Kim Dwight. Ouais. Avant de prendre, de faire toute la cérémonie, Miguel, Kim, voulez-vous faire un discours? Le cube pour lui, parce qu'il veut le cube, le cube que pour lui. J'ai la chiasse, docteur. C'est fou ce que c'est émouvant, les mariages. C'est l'émotion, là. Il y a problème. Est-ce qu'on peut tout refaire depuis le début? Il y a un problème d'émotion, là. Il y a trop d'émotion. Excusez-moi, j'ai la chiasse. Quelqu'un a la chiasse. Il faudrait un médecin, on va tout recommencer de zéro. Pendant ce temps-là, on brief Cuque. Il faut reprendre du début. Gontran qui m'a refilé la chiasse. Si je savais que c'était Gontran. On en revient là. Regardez-le, Donatien, il va chier dessus. Va dans les fougères, Donatien. S'il vous plaît, arrêtez de me filmer pendant que j'ai la chiasse, monsieur. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment émouvant les mariages. C'est beau ce qui se passe. Antoine? Bon, Antoine, ça a l'air d'aller. Oui. Quoi? Ah oui. C'est pas très ratif. Dis pourquoi je suis assis contre toi là autant? Je sais pas, on est blottis l'un contre l'autre, ça me... Mais c'est très mignon hein, mais... Ah, c'est vrai, vous aussi vous trouvez que les hommes sont plus faciles à comprendre peut-être. Bonjour, bonjour à tous. Contrairement à d'autres. Ça me fait très plaisir d'être ici, il n'y a rien de si beau qu'un mariage bien réglé, bien paisible. Je remercie Miguel et Kim d'avoir invité tout le monde et vous ici présents qui êtes venus des quatre coins des États-Unis ou même de la planète afin de célébrer leur union. Il faut savoir qu'un mariage, c'est avant tout l'amour, c'est de la physique. Le mariage, c'est de la chimie. C'est bon, Fab. Le mariage, c'est une si belle chose qu'il faut y penser pendant toute sa vie, bien sûr. Fab. Le mariage vers lequel deux amoureux descendent la main dans la main est la consécration suprême de la fusion des âmes, bien entendu. Un mariage heureux est une longue conversation qui semble toujours trop brève. Voilà. Qui semble s'éterniser. Ouais. Nous tenions simplement à vous remercier d'être venus des quatre coins de Los Santos et du monde pour célébrer avec nous cette journée si particulière. Sans vous, elle n'aurait pas été avec la même saveur. Notre cœur est rempli de joie de savoir que nous allons poursuivre notre route l'un à côté de l'autre. Et c'est aussi vous qui illuminez notre cœur de votre présence. Antoine, assieds-toi. Votre soutien indéfectible de votre sourire et de vos vœux. Merci encore mille fois de partager notre grand bonheur et notre vie. Longue vie à nos amours, nos amitiés et les repas de famille.
Moi, Miguel, je te prends et reprends toi, Kim, comme épouse, telle que tu es. Je te promets de te respecter, de t'encourager, de te permettre d'écrever des gens dès que tu le voudras. Bravo ! Le mariage, c'est vraiment super. Il faut célébrer ça avec une bonne bouteille à un bon prix d'amis. Ah, là, oui, ça oui, bravo, ouais, bravo, ouais, bravo, ouais, bravo, 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 Chantelier. Oui, bravo. Bravo, un poil. Allez, jusqu'au divorce. Vanessa, vous êtes un peu fataliste quand même. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ouais, non, moi non. Maintenant, musique, champagne. Et amusez-vous. Champagne. Allez. Oh, super, merci. Quand je débarque. Ah, la musique, let's go. Dans ma Provence natale. Oula. Ouais, quand je suis là, ouais. Oula, quand je bois ma vinasse, ouais. Pas bon. Oula. Ouais, quand je débarque. Merci à vous. Bravo. Ah, c'était super, bravo. Merci à vous. Bravo. Belle chanson. Dans ma province. Merci. C'était super. Bravo. Super, bravo. Merci. Bravo. Et maintenant, cocktail. Oh, c'est magnifique. Ouais. Ah, il faudra que tu fiches. Mais c'est magnifique. C'est grâce. C'est bon. Oh, les lucioles. Wow. On appelle ça le bâton rouge. Oh, 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 le camion! Oh, oh, c'est camion à Tazac! C'est beau, hein? C'est beau comme Don Telo! Ah, oh, bah, dis donc! Oh, bah, attends, oui, vous êtes tous beaux, hein? Je trouve beau, Don Telo? Bah, oui, mais vous êtes pauvre, hein, j'ai le droit de trouver quelqu'un de beau! D'accord! C'est beau. Ah. Oh. Oh. Oh, Kim! Oh, la belle roue! Waouh! Et Miguel! Non! Oh là là! Waouh! Waouh! Le blanc ah oui, rouge, comme les États-Unis. Comment on dit, c'est nos impôts ou quoi? Bah, je pense pas, parce qu'on a. Bah, non, je pense pas, non, je pense pas, non. Pas, hein. C'est pas trop nos impôts, ouais, parce qu'on est pas. Ouais, non, c'est pas nos impôts. Je suis bien content non, de. Non, c'est pas nos impôts, non. C'était pour la blague, je sais que c'était pas vrai. Ah, oui, d'accord. Et bravo, oh, c'était beau. Ah, bravo. Félicitations. Vive les bravo. Ouais, bravo, ouais. Qu'est-ce qu'il bouge, c'est super. Qu'est-ce qu'il y a, Lorenza? Dans le prochain épisode, j'en étais sûre que c'était une mauvaise idée de t'avoir appelé en arrivant ici, j'aurais dû faire bande à part et même pas te contacter. On voit ma culotte ! Oh, pas trop faible, ça va pas ? J'écoute secrètement Donna, avant de découper quelqu'un et de le manger. Découper quoi ? Allez, on se lâche ! Il y en a qu'une seule, de soirée comme ça ! C'est dur de te le dire, mais il peut dire toute la vérité. Armand, ouais. Hola, hola. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre un pouce bleu pour soutenir Lorenza.